Hey les amis, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à mentionner quelque chose sur l'utilisation de APK Tool M. Pour que APK Tool M fonctionne correctement sur votre téléphone, vous devez avoir au moins un espace de 1 giga sur votre mémoire ROM et mémoire RAM minimum 3 giga. Ok, comme ça pourrait bien fonctionner. Sinon, je vois plein de gens qui viennent se plaindre en privé, dit que bon, ça fonctionne pas et tout. Donc voilà les prérequis. Et aussi, bon, après l'utilisation de MT Manager, tâchez de supprimer les dossiers qui seront créés. Sinon, ça va remplir votre mémoire pour rien. Ok, après la modification, tâchez de supprimer le dossier. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur du jeu DICE. Enfin, le jeu D, quoi. Vous voyez un peu. Donc, c'est ce que je vais essayer de modifier ce matin. Voir ce que ça peut donner. So, je vais utiliser les deux applications en même temps. Je vais utiliser APK Tool M pour traduire le code en Java afin de pouvoir lire, et je vais utiliser MT Manager pour faire la modification vraiment rapide. Ok, donc cette fois-ci on va pas tarder sur APK Tool M. Donc on va s'attaquer au jeu DICE de Betweener. Moi j'ai déjà décompilé l'application qui... Le dossier se trouve dans le dossier APK Tool M. Voilà, le dossier de Betweener déjà décompilé qui se trouve ici. Donc je vais le laisser comme ça en attendant et je reviens dans MT Manager. Donc je vais aller extraire l'application de Betweener. Ok, là voilà, en bas ici. Bon, je clique sur ça. Extract APK. Comme d'habitude, locate, je rentre dedans. Ok, bon, je vais cocher les classes .x. Ok, voilà, maintenant ce qui me reste à faire, c'est de retrouver là où se trouve le jeu DICE dans MT Manager et APK Tool M en même temps. Donc ici, je pense que pour trouver le jeu DICE, c'est très simple, il suffit juste de venir en bas, de choisir le dossier comme vous pouvez le voir ici. Voilà, c'est le nom du package en fait, le dossier com et xbet one is game. Voilà, features, les fonctionnalités. Et bon, il y a les jeux, voilà les jeux qui se trouvent ici. Donc moi, le jeu que je veux, c'est bon, le jeu DICE. Parce qu'il y a très longtemps, bon, j'ai fait des vidéos là-dessus. Ok, voilà. Maintenant, je suis à l'intérieur du dossier du jeu DICE. Donc je vais aller chercher ça dans APK Tool M aussi. Sauf que ici, bon, ça va me poser un peu de problème. Mais je vais passer par la recherche pour le faire. Ok, voilà, c'est ça. Donc il suffit juste de chercher là où je peux trouver le jeu DICE pour me rediriger automatiquement. Bon, ici j'ai DICE Layout. Bon, DICE Layout, est-ce que c'est ça? Bon, je sais pas. Je vais essayer de sortir, voir. Non, c'est pas ça. Je vais faire la recherche par file name plutôt. Ok, voilà, ici ce sont les résultats. Donc avant j'avais fait la recherche par le contenu en fait. Donc ici est-ce que je peux tomber sur... Ok, voilà, donc j'ai le dossier DICE ici, donc j'appuie sur ça, automatiquement je suis redirigé à l'intérieur. En fait, je vais essayer de partager l'écran pour que je puisse avoir accès aux deux applications en même temps sur ma tablette ici. Donc pour ce faire, bon, il paraît que j'avais déjà montré ça dans l'une de mes vidéos. Il suffit juste de taper sur l'onglet, bon, de cliquer sur monsieur, bon. Voilà. Donc voilà, j'ai APK Tool M ici et MT Manager là, donc je peux l'utiliser facilement. Sauf que si c'est sur Android, vu que l'Android a un écran un peu réduit, bon, ça va vous poser un peu de problème.
Vu que moi je suis sur une tablette, c'est la raison pour laquelle je peux l'utiliser en toute facilité quoi. Ok. Donc ici on a le dossier Presenters, ici Presenters là. So je vais essayer de rentrer dans Presenters, voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Je vais traduire ça en même temps. Ok, bah y a pas grand chose. Y a pas grand chose. Je sors. Ici aussi, je crois qu'il n'y a pas grand chose ici. Non, rien du tout. Non, rien. Donc j'y ressors encore. Ok, on a Dice View. Point smiley. Bon. Les fichiers sont cachés là-bas. Je vais aller dans Fragment voir. Dice Fragment. Je vais traduire ça. Il arrive parfois que bon la traduction ne soit pas parfaite. Vous voyez? Par exemple, ici, je vois quoi? Je vois Game Bad Luck. Je vois Game Bad Luck ici, mais. Lorsque je traduis le code smiley en Java, je ne vois pas ça. Donc parfois, il arrive que certains bouts de code se cachent, ne se traduisent pas en Java, tu vois un peu. Donc ici, wow. On a bad, game bad luck, draw title, win title. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bon, si nous gagnons. Voilà voilà la ligne qui fait appel au titre qui s'affiche au, je dirais le pop-up. C'est pas le pop-up ça, hein. C'est le dialogue en fait qui sort. Si nous perdons, voilà la ligne qui fait appel au pop-up de truc là. Vers essayer. Vous aurez la chance encore pour une prochaine fois. Donc, je vais descendre voir s'il y a encore quelque chose en bas. One dice, Monsieur Dieu. Ok, Monsieur Dieu. One dice, one is dice plutôt. One is dice, one is dice, Monsieur Dieu. Ok, je vois. Donc ici, you un dealer. Et ça veut dire que voilà le joueur qui est là et voilà le croupier en quelque sorte qui est là. Vous voyez? Donc ça, c'est moi. Ça, c'est le croupier. Et on est bien d'accord dans le jeu Dice. La cote c'est 2 ou bien. La cote c'est 2. Donc la chance est 50-50. Soit je gagne, soit le croupier gagne. Avec la somme de dés qui apparaît bien sûr. Ok, là ici on fait savoir que c'est la ligne qui. La ligne qui fait appel au message de si nous avons gagné, vous voyez. Voilà, game try again. Réessaye encore, voilà, c'est ça. C'est réessaye là, nous venons de perdre, donc réessaye. String, ok. Le ok qui est là, c'est le ok de. Du dialogue qui sort. Si on nous demande de réessayer, nous appuyons souvent sur OK ou bien si la balance est insuffisante, bon, nous appuyons encore sur OK aussi.
En fait, moi, ce que je voulais faire, c'est de faire telle sorte que, bon, vu que c'est une comparaison, le jeu de dice, c'est une comparaison entre la somme de mes dés et du dealer, c'est-à-dire du croupier. Bon, moi, je veux faire de telle sorte que, bon, seulement que mes dés dépassent le dé de truc là, du croupier, vous voyez? Mais je ne vois pas là où sont stockées l'histoire de dés et tout. Je ne vois que les messages qui apparaissent une fois le jeu terminé. Peut-être que c'est caché quelque part ou bien. Après, je reviendrai dans ce dossier pour essayer de modifier le message qui apparaissent. Je vais essayer de changer ça. Le message de perte en message de gain, vous voyez, pour voir si ça va fonctionner ou pas. Mais en attendant, je vais continuer quand même à rechercher, bon, là où sont stockés la somme des dés de croupier et du joueur. Oh, toujours pas. C'est cool. Sinon, les dossiers de state. Bon, il n'y a pas grand chose à l'intérieur d'habitude. Raison pour laquelle je les touche pas. Oh. On est déjà rentré par ici. Ouais. Je vais rentrer encore une fois dans ce dossier. Parce que je vais essayer de modifier ici maintenant le message. Le message qui apparaît. Donc ici c'est le game bad luck et ici win title. Ici je change le game bad luck game bad luck à win title par exemple. Ça donnera quoi? Je sais pas. Ici c'est nul hein. Ça veut dire que si supposons que la somme de mes dés donne supposons 4 et celui du croupier aussi 4. Ah bon, ça fait nul quoi, vous voyez. Donc c'est ça qui est là. Donc je vais essayer. Tout d'abord, je vais essayer de changer Game Bad Log en Win Title ici. Il est où le com? Le voilà. Le com, le isbet. Le once game features, le dice, voilà. Et maintenant, je suis où là? Fragment, dice fragment dot my list. Donc, je vais rentrer dans fragment. Je vais chercher notre cher. Voilà, il est là. Donc, je vais essayer de remplacer game bad luck par win title, voir. C'est de faire quoi? Non, plutôt je vais copier ça. Copier. Paste. Ok, voilà. Donc c'est réglé là-bas. Donc, si dans ce cas j'ai plus besoin de APK tool en tant que tel, donc je vais continuer par ici. Ok. One is dice message. Ici on a le croupier, le dealer. Une message. Ok, game try again. Je vais changer ça. Game try again à copy. And past. Voilà. Ok, en attendant, je continue encore. Vu que j'ai pas vu là où sont stockés les dés, leur somme, je vais procéder comme ça pour voir à la fin ce que ça va donner. Bon, ici, c'est lorsqu'on a fait appel au quai du pop-up qui sort.
Une milliseconde ici, bon, je pense que c'est le temps que, bon, ça prend avant de se lancer, ok? Mais nous, on a rien à voir avec le temps dans le jeu Dice. Ce qui nous intéresse, c'est la somme et bon, et c'est fini quoi. On n'a pas besoin du temps. Ok, apparemment, il n'y a plus grand-chose, hein. Plus grand-chose. Ok. En attendant, je vais sauvegarder. Je vais sauvegarder ça. Je sors. Même dans Dice View ici, il n'y a pas grand-chose, quoi. Wow. Rien du tout. Rien. Ok, en attendant, je vais sauvegarder ça, aller tester voir. Je vais compiler plutôt. Je vais faire comme ça. Ok, je sors. Je sors encore une fois. Bon, c'est auto-sign. J'appuie sur OK. Ici, ça se signe automatiquement. Pas comme dans APK Tool M, vous êtes obligé de signer manuellement. Ok, donc je vais installer. Je devrais désinstaller l'autre application avant que la nouvelle ne s'installe. Tant que je sors, je vais aller désinstaller ça en même temps. Ok, installe. Donc on se retrouve tout juste après l'installation pour voir si quelque chose a changé ou pas. À vrai dire, cette vidéo est juste une vidéo de distraction, si je peux le dire ainsi, parce que je ne sais pas trop si ce que je viens de modifier, ça fonctionnera ou pas. Dans tous les cas, vous aurez le résultat dans la vidéo. Donc, je vais mettre la vidéo en pause, on se retrouve tout juste après. Ok, voilà. Moi, je me suis connecté à mon compte et je vais chercher le jeu Dice en même temps. Ok, voilà ici. Ok, d'accord. Donc, ce que j'ai changé, c'est le message qui apparaît. Hein. Donc, je vais voir si quelque chose a changé ou pas. Ok, là, normalement, j'ai gagné ou bien. Je pense que c'est moi qui suis le rouge. Donc, j'ai gagné. Mais je vais perdre pour voir si est-ce que. Hein? Mais c'est quoi ça? Regardez, regardez, vous 7 croupiers 9. En temps normal, j'ai perdu ou bien? J'ai perdu, mais on m'a écrit victoire ici. Victoire ici. Sauf que il n'y a pas l'argent. Hein. Il n'y a pas l'argent qui s'affiche quelque part. En temps normal, il devrait avoir la somme gagnée quelque part ici. Mais vu que j'ai perdu, la modification a réussi, sauf que. La somme n'est pas. Je veux dire l'argent. Je veux dire l'argent. L'argent ne s'affiche pas dans le message. Je vais encore essayer une fois. Ok, là ici, j'ai gagné pour de vrai. Comme vous pouvez le voir, vous 4 croupiers 2, victoire 400 francs. Vous voyez? Donc ici, j'ai gagné pour de vrai, mais. Gagner sans argent, bon, je vois pas l'intérêt. Hein. Par exemple, ici, vous voyez, victoire, vous 8, croupier 11, pourtant on me dit victoire. Bon, c'est pas ça même que moi je voulais ce matin. Hein. Moi, ce que je veux, c'est de changer, c'est de faire de telle sorte que
Mes dés qui apparaîtront ici, bon, doivent être forcément supérieurs aux dés qui devraient être en noir, vous voyez. Vu que le noir, c'est pour le croupier. Et moi, je suis en rouge. Oh, merde. C'est ce que je voulais faire. Hein. Bon, anyway, je vais rentrer encore dans le code pour voir s'il y a quelque chose caché quelque part, vous voyez. Donc, la vidéo, ça va s'achever ici pour l'instant et je reviendrai pour une deuxième partie.